Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui les règles de lecture d'un électrocardiogramme. Il y en a une douzaine que j'ai concoctées à partir de données de la littérature et nous allons ensuite procéder à la rédaction d'une conclusion ensemble. Alors pour cela, je me suis inspiré d'un document précieux, le Minnesota Code, publié en 1960, qui est téléchargeable, qui est un petit peu austère, mais qui décrit toutes les anomalies qu'il faut pouvoir reconnaître sur un électrocardiogramme. Donc nous allons procéder à une lecture attentive de l'électrocardiogramme en décrivant tout d'abord l'onde P, puis l'intervalle PR qui correspond à la conduction auriculo-ventriculaire, enfin les QRS, vous savez que les QRS correspondent à la dépolarisation ventriculaire, donc l'analyse du muscle et des cavités droite et gauche dans tout leur état, enfin la repolarisation, c'est-à-dire le segment ST, qui va nous permettre de reconnaître les maladies du coronaire, mais bien d'autres maladies également, métaboliques, les médicaments. Enfin, l'onde T, et enfin, l'intervalle QT, qui est un paramètre physiologique indispensable à mesurer sur tout électrocardiogramme. Donc voici les deux premières règles. Voyez-vous, l'onde P sinusale, comme vous le voyez sur ce tracé, est positive en D1, D2. Ici, nous voyons que l'axe de P est légèrement plus ample en D2 qu'en D1, donc très probablement l'axe est plus proche de 60 degrés. Cette onde P est légèrement en dôme. Et on constatera en deuxième règle qu'une seule onde P sinusale précède chaque QRS. C'est le cas ici, ici, ici et là. Et que cette onde P est peu ample, elle fait moins de 2,5 mm, et peu large, puisqu'elle fait moins de 3 petits carreaux. Donc voici une onde P sinusale typique, elle commande et précède tous les QRS. Voici un deuxième exemple, où là, d'un seul coup d'œil, quand on recherche l'onde P en D1, D2, on est alerté, car cette onde P n'est pas en dôme, elle a une forme biphasique, et il s'agit donc d'une première alerte. La deuxième alerte, c'est la fréquence cardiaque, et qu'elle est à 110 ici. Donc il s'agit d'un rythme atrial ectopique, et comme il est rapide, on parlera de tachycardie atrial ectopique. C'est indispensable de repérer ces petites anomalies sur ce tracé dès les dérivations D1, D2. Voici un troisième exemple. Nous sommes en D1, D2, nous recherchons une onde P sinusale positive, et nous voyons qu'à la place, il existe finalement une ondulation anarchique de la ligne de base, qui est mieux vue ici en V1, et cette ondulation donc remplace l'onde P sinusale. Il s'agit d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire et non pas d'un rythme sinusal. Alors, l'onde P, certes, doit précéder tous les QRS, elle doit être identique devant chaque QRS, mais elle doit aussi avoir une morphologie de type sinusal, non pathologique. Vous voyez ici, on voit que l'onde P est trop longue, hein, elle est bifide. Elle fait 0,12 secondes, ce qui est trop long, et donc cela témoigne d'une activation retardée de l'oreillette gauche, puisqu'on commence par l'oreillette droite. Quand c'est trop long, c'est qu'il existe une hypertrophie auriculaire gauche. Ici, il s'agissait d'une onde P mitrale. Voici un deuxième exemple où on voit l'onde P en D2. Cette fois-ci, elle est trop ample. Beaucoup trop ample, elle fait plus de 2,5 mm. C'est ce qu'on appelle une onde P pulmonaire. Ça se voit dans les dyspnées, dans les dilatations aiguës de l'oreillette droite. Vous savez qu'on ne parle pas forcément d'hypertrophie, mais de dilatation dans le contexte de la description électrique d'une onde P, dilatation ou hypertrophie. Ici, si on est très méticuleux, on voit que l'onde P est pathologique. Elle est pathologique, elle est bifide en D2-1, et puis ensuite, si on remarque bien, elle change d'aspect, et il existe des ondes P beaucoup trop amples, et un peu dysmorphique. Hein. Ce sont des exemples de blocs interatrial et d'extrasystole auriculaire sur un seul tracé. Il fallait être vigilant pour le repérer. Alors la fréquence sinusale, on l'a déjà apprise à la mesurer plus précédemment. Donc elle est normale entre 50, 60 et 100 mm. Hein. En dessous, on parle de bradycardie, au-dessus de tachycardie. On prend sa réglette et on abaisse le trait d'un premier QRS au niveau de la flèche. Puis la deuxième flèche nous indique la fréquence cardiaque résultante à partir de deux flèches. Donc c'est très précieux. Chez ce patient, nous sommes bien dans l'intervalle de confiance. L'intervalle PR, c'est la conduction auriculo-ventriculaire.
sur ce tracé qui nous rappelle tout ce qui se passe entre le début de l'activation sinusale et le début de la dépolarisation ventriculaire. C'est toute la conduction, depuis l'oreillette, le nœud réculo-ventriculaire, le faisceau de His et le système de Purkinje. Le QRS traduit la dépolarisation ventriculaire. Donc c'est important de bien le mesurer, cette conduction. Elle doit être constante et elle est en général comprise entre 0,12 et 20 millisecondes et 200 millisecondes, ce qui correspond à trois petits carreaux. C'est bien le cas chez notre patient. Il faut bien vérifier la calibration ici. Alors chez ce patient, si on regarde un petit peu vite, on a l'impression que l'intervalle PR est de 200 millisecondes, mais il faut bien mesurer partout, hein. C'est pas simplement comme ça de temps en temps. Il faut mesurer que cette durée est constante. Et là, vous voyez que l'intervalle PR, tantôt il est grand, tantôt il est court, tantôt il se raccourcit, hein. Ce n'est pas un intervalle PR constant, et c'est au contraire une dissociation réculo-jonctionnelle. Les ondes P et les QRS n'ont quasiment aucun rapport entre eux. La cinquième règle de base concerne maintenant les QRS. Tous ces QRS, nous allons nous les approprier. Il faut que l'activation du front de dépolarisation frontale soit située, comme vous le voyez sur ce dessin d'Eindhoven, dans le plan frontal, en général entre D1 et VF. Même s'il peut y avoir des petites acceptations jusqu'à VL, on accepte que le cœur soit d'un axe normal jusqu'entre D1 et VL. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons ? D'un seul coup d'œil, R est positive en D1, D2, c'est très rassurant. Quand R est positive en D1, D2, ça veut dire que l'axe est compris entre D1, D2, plus proche de D2 si l'ondaire est plus grande en D2, et plus proche de D1 si l'ondaire est plus grande en D1. Donc c'est tout à fait rassurant et ça va très vite. Donc l'ordinateur nous le donne également, vous voyez qu'ici, l'axe de P de tout à l'heure était à 40 degrés, et l'axe du QRS ici est à 55 degrés, plus proche de D2 que de D1, c'est bien ce que nous avions vu. Ici, c'est un petit peu pareil. Le QRS, d'un seul coup d'œil, est plus proche de D1 que de D2, mais on peut dire que les deux sont positifs. Donc, c'est tout à fait normal. Ici, on est plus proche de D1, l'ordinateur va nous donner un 24 degrés. Si vous voulez, d'un seul coup d'œil, repérer l'axe des QRS, on dira qu'il est proche de 0 degré si R domine en D1, qu'il est proche de 90 degrés si R domine en VF, et qu'il est proche de moins 30 degrés si R domine en VL. Alors la sixième règle dit que tous les QRS sont fins. Cette durée doit être inférieure à 110 millisecondes, c'est-à-dire inférieure à trois petits carreaux. C'est le cas chez notre patient. Alors la largeur des QRS doit toujours être donnée sur un tracé, parce que cette durée dépend de l'épaisseur du myocarde, donc ça va nous donner des renseignements sur une hypertrophie éventuelle, mais aussi de la conduction intraventriculaire. Donc ce double paramétrage est précieux pour dépister des anomalies de conduction ou d'hypertrophie. L'ordinateur nous donne assez précisément en général cette valeur qu'il faut retranscrire sur la conclusion. Alors la septième règle dit qu'il n'y a jamais d'onde Q large et profonde sur un électrocardiogramme, mais qu'au contraire il existe des petites ondes Q. Alors qu'est-ce qu'une onde Q ? Une onde Q, c'est finalement une activation électrique qui s'oppose à la dérivation, c'est-à-dire un courant de charge positive qui s'éloigne de la dérivation qu'on enregistre. C'est très important qu'il y ait des ondes Q dans la dérivation gauche, comme nous allons le voir tout à l'heure, puisque nous sommes loin du septum, et que quand on est loin du septum, on doit avoir une onde Q. Donc nous allons comprendre ça un petit peu mieux après. Voici cet exemple de huitième règle qui dit que les QRS ont un aspect petit r grand S en V1. C'est le cas, petit r grand S, et petit q grand R en V6. Alors cette petite onde Q ici, précieuse, d'activation septale, qui correspond au miroir de R en V1, d'ailleurs vous voyez que SV1 et RV1 sont similaires en miroir, et bien cette onde Q, elle est difficile parfois à voir, il faut bien l'agrandir. On voit également que R grandit de V1 à V4, et que S grandit de V1 à V2, mais ensuite redescend. Donc comme repère, souvenez-vous que la transition se fait en V4, R devient maximum en V4, puis redescend, c'est un critère de normalité, et S grandit de V1 à V2 avant de décroître. Alors pourquoi tout ça ? Nous l'avons vu précédemment, c'est l'activation septale qui débute dans la dépolarisation d'un ventricule, enfin des deux cavités ventriculaires. Cette dépolarisation
démarre sur le bord interne du ventricule gauche et se dirige vers le ventricule droit. Donc si je mets une dérivation en V1, c'est-à-dire à droite, en regard du ventricule droit, je vois un courant de charge positif qui arrive vers moi, donc j'inscris une onde R positive. Si à l'inverse, je suis en V6, je vois un courant de charge positif s'éloigner de moi, c'est l'activation de dépolarisation septale, et donc j'aurai une petite onde Q fine, plus fine que sur ce tracé que j'ai emprunté au professeur Valtic, je remercie. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vois une activation ventriculaire résultant de la dépolarisation ventriculaire gauche et droite. Le ventricule gauche est beaucoup plus gros que le droit. Donc j'aurai une grande onde R, c'est-à-dire un courant de charge positive qui vient vers moi. Tandis qu'en V1, j'aurai un courant de charge positive qui s'éloigne de moi. Donc une onde S profonde. Et vous avez compris que plus le muscle ventriculaire gauche va être gros, plus l'onde R va être grande ici et là. C'est le principe de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et entre les deux, le passage de V1 à V6 se fait vers le septum, hein, on appelle ça la zone de transition, elle sera précieuse à explorer. Alors chez ce patient, il n'y a effectivement pas d'onde Q large et profonde, hein, mais nous l'avons dit, les ondes Q septales sont beaucoup plus visibles parfois chez certaines personnes, hein, et du coup, le miroir septal en V1, V2 sera plus visible. Donc on peut avoir des micro-ondes Q en V3, V4, V5, légèrement parfois en V3, et puis, évidemment, dans la dérivation gauche. Et puis, si j'ai un axe du cœur très gauche, j'aurai une onde Q très fine, mais qui dominera R uniquement en D3. Il ne faut pas que ça se produise en VF ou en D2. Donc, les amplitudes maintenant de QRS, les amplitudes décrivent le muscle, hein, donc, c'est-à-dire l'épaisseur du muscle, hein, l'importance du muscle. Plus elles vont être petites, plus eh bien, peut-être le cœur est hypotrophe, et puis si elles sont grandes, peut-être que le cœur est hypertrophié. Donc, il faut avoir l'habitude de le lire. Les indices d'hypertrophie ventriculaire sont négatifs. Qu'est-ce qu'un indice d'hypertrophie? Ce sont des indices soit uniques, par exemple la taille de l'onde S en V1, ou la taille de l'onde R en V6, soit des indices composites, c'est-à-dire une somme d'ondes S en V1 et R en V5. Hein. Donc c'est l'exemple du Sokolov qui prend en considération la taille de l'onde S en V1 et la taille de l'onde R soit en V5, soit en V6, la plus grande des deux. On fait la somme et on voit si c'est supérieur à 35 mm chez un adulte âgé. Eh bien, ce n'est pas le cas chez notre patient. On peut utiliser aussi d'autres indices dans le plan frontal, hein. Il existe des indices encore là, monodérivation, ou des indices composites, et je vous ai présenté l'indice de Cornell, qui n'est pas bien connu malheureusement, mais qui a une grande pertinence, qui est la somme de RVL et de SV3, comme on va le voir chez ce patient suivant. Alors là, vous avez l'indice de Sokolov, SV1 plus RV5, vous faites la somme des deux, vous voyez qu'il est égal à 35 mm, ah, 35 mm, c'est limite, hein. Il va falloir qu'on interprète ça en fonction de l'âge du sujet, mais c'est limite. Par contre, si vous faites l'indice de Cornell, eh bien vous voyez qu'il est rassurant, RVL est additionné à SV3, tout petit, il fait donc 13 mm, et donc c'est rassurant. Mais méfiez-vous, hein. Il suffit d'un seul indice d'hypertrophie ventriculaire gauche, soit en D1 parfois, soit en V1, soit en Cornell ou Sokolov, il y en a d'autres, pour évoquer le diagnostic d'hypertrophie ventriculaire gauche. Ceci s'associe en général à des troubles de repolarisation. Alors, nous allons justement le tester, nos indices d'hypertrophie chez ce patient. Vous voyez que tous les QRS sont microvoltés ici, donc il n'y a pas d'hypertrophie. En revanche, on note que l'onde R pousse de V1 à V4, mais continue à grandir jusqu'en V5. Hein, c'est une déviation gauche de la dépolarisation ventriculaire gauche, un signe d'HVG. Ensuite, l'onde S pousse de V1 à V2, mais continue à grandir en V3, hein, donc pour ça que j'ai mis une petite bombe. Quand S grandit en V3, c'est un signe d'HVG. Hein. On va le retrouver sous forme de l'indice de Cornell. L'indice de Cornell ici est à 0, RVL fait 0, mais SV3 fait 40 mm, c'est une HVG. Hein. Au passage, vous noterez qu'il n'y avait pas, chez ce sujet, d'indice de Sokolov positif. Donc l'indice de Cornell nous révélait l'HVG de ce patient. Le segment ST est isoélectrique au segment PQ. Alors, le segment ST, c'est évidemment quelque chose qui nous concerne tout particulièrement en médecine d'urgence pour le syndrome coronaire, quand le QRS est fin. Hein. Il est isoélectrique au segment PQ. Alors, qu'est-ce qu'un segment ST? Bah, c'est la fin du point J et le segment qui suit
la fin du point J. Le point J, c'est la fin du QRS, on l'assimile à l'onde S parfois ou au point S. Et ça doit être isoélectrique au segment PQ que je vous ai représenté ici. Vous voyez qu'il y a parfois un petit décalage. Hein. Chez ce patient, il y a même un peu plus qu'un petit décalage. Hein. Le point J est difficile à définir, mais on a l'impression qu'il est à 0,5 mm au-dessus du segment PQ. Alors, c'est toute la difficulté. Hein. Il faut vérifier que le segment ST est isoélectrique au segment PQ, mais le problème, c'est que c'est pour le coup l'exception qui fait la règle. Hein. Donc, sur ce tracé dont j'ai perdu la référence, vous trouverez ce que dit Wang dans le New England de 2003, c'est que le sus-décalage de ST est physiologique. Hein. Regardez bien, l'ensemble de ces électrocardiogrammes révèle un sus-décalage de ST dans toutes les dérivations, et en particulier V2, V3. Dans toutes les dérivations, non seulement précordiales, mais dérivations frontales, on peut avoir un léger sus-décalage. Ce que je vous demande de noter, c'est que le sus-décalage prédomine en V2, V3, et qu'il existe parfois un petit sous-décalage de 0,5 mm, qui est physiologique également. Ce sous-décalage n'existe pas, en revanche, en V1, V2, V3. J'aime bien ce tracé pour le montrer. Hein. Et puis, on retrouve la notion de la progression de l'onde R jusqu'en V4, puis la décroissance, et la notion de la progression de l'onde S de V1, V2, puis la décroissance. J'aime beaucoup cette référence. Alors, la description exacte des valeurs de sus-décalage de ST ou de sous-décalage de ST a été collégiée par des professionnels américains, mais reprise ensuite par les Européens. Et tout le monde est d'accord pour dire que cette déviation du sigma ST dépend de l'âge, dépend de la dérivation, elle dépend du sexe également. Donc vous devez les apprendre par cœur, c'est un peu compliqué. Vous voyez qu'il y a des couleurs vertes, bleues et rouges. C'est peut-être pas le thème aujourd'hui, mais on verra ça pour le syndrome coronarien aigu. C'est important de connaître toutes ces valeurs. Alors, ce segment ST, dernière petite nuance encore, on dit qu'il est isoélectrique au segment PQ, mais le segment PQ n'est pas lui-même toujours isoélectrique. Vous voyez qu'ici, en V3, on a une petite pente descendante, ce qui explique que le segment ST soit légèrement ascendant ici. C'est parce que le segment PQ influence le début du segment ST. Et ça se voit beaucoup mieux encore ici. Hein, pour apprécier un segment ST, il faut tenir compte de la courbure initiale du segment PQ, ce qu'on appelle la repolarisation atriale, car l'onde P a une repolarisation qui influence le début du segment ST. La 11e règle de l'électrocardiogramme dit que l'onde T est asymétrique et positive. En voici un très bel exemple. Vous voyez que l'onde T est asymétrique. Elle est positive, effectivement. Asymétrique, pourquoi? Parce que autant je peux voir la fin de l'onde T, autant je ne peux pas la voir ici. Je ne peux pas dire quand est-ce qu'elle commence. Elle commence avec le segment ST quelque part. C'est important que l'onde T soit asymétrique et positive. Et surtout, son amplitude est proportionnelle au QRS. Elle doit faire quand même moins de 2/3 du QRS. Hein. Vous voyez que le QRS ici fait 17 mm, 17-18, et que l'onde T fait 5, donc on est bien dans le cadre d'une amplitude inférieure aux 2/3 de l'onde R. Il faut aussi qu'elle ne soit pas rikiki, cette onde T. Hein. Elle doit être supérieure à 10% de l'onde R. Hein. C'est bien le cas ici, c'est bien le cas ici, c'est bien le cas ici, ben là il n'y a pas d'onde R. Et c'est bien le cas partout, donc on peut dire que les ondes T, en tous les cas, ont une amplitude qui est correcte par rapport aux ondes R. Mais il y a des exceptions. Car le segment l'onde T est parfois légèrement en opposition par rapport au QRS dans certaines dérivations, toujours en VR puisque le QRS est négatif, et parfois en V1, ce qui n'est pas le cas chez notre patient, mais parfois en V1, c'est même assez fréquent, et dans les dérivations droites ou extrêmes, hein, les dérivations extrêmes, c'est-à-dire loin de l'axe du cœur dans le plan frontal, on peut avoir une onde T négative, comme c'est le cas ici. Donc il y a des exceptions, mais vous voyez qu'il n'y a pas deux dérivations concordantes qui contiennent une onde T négative, et c'est ça qu'il faut retenir. Alors voyons voir chez ce patient si les ondes T sont bien asymétriques et positives dans toutes les dérivations. Eh bien, on a l'impression qu'on ne voit pas d'onde T, en tous les cas symétriques, mais ce qui nous choque, c'est l'amplitude. Vous voyez, l'amplitude est vraiment modeste dans les dérivations précordiales. Et surtout, eh bien, l'onde T ici est très plate. Hein. Elle est inférieure à ce qui est prévu, à savoir 10% de l'onde R. Donc on va pouvoir dire que les ondes T sont plates dans plusieurs dérivations concordantes ici, et plusieurs dérivations concordantes ici. Donc on le signalera dans le compte-rendu final. L'intervalle QT,
On va faire, bref, on l'a déjà vu tout précédemment dans une formation, l'intervalle QT doit s'apprendre par cœur. Il doit être mesuré à chaque fois, il doit être inférieur à 430 millisecondes quand il est corrigé par la fréquence, l'intervalle QTC, et 450 chez la femme si les QRS sont fins. Alors l'ordinateur nous le donne, hein, le QTC, ici à 417 millisecondes. B veut dire formule de Bazette, C veut dire corrigé. Et 417, c'est bien inférieur à 430 chez notre sujet. On va quand même le mesurer à la main, entre parenthèses, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur pour le faire. Et de toute façon, c'est utile de le faire soi-même. Alors, ici, vous prenez le début du QRS et la fin de l'onde T. Vous voyez que la fin de l'onde T est mieux vue dans les dérivations où l'onde R est la plus grande, hein, soit D2, soit V3, V4. Si vous prenez V1, bah, vous allez sous-estimer le QTC. Hein. Donc, quand la dérivation est optimale, je mesure 8,5 mm, je multiplie par 40 millisecondes, cela nous fait 340 millisecondes. C'est bien ce que nous dit l'ordinateur. Mais ce QT, finalement, il n'est pas corrigé, puisqu'il est à une fréquence de 90, donc on va le corriger, hein, puisqu'on ne peut pas le comparer à des valeurs de référence facilement si on n'a pas l'indexation à 60 par minute. Alors, on va utiliser possiblement la règle. Hein. La règle, c'est aussi un autre atout quand on n'a pas la formule de Bazette. On cherche quelle est la fréquence du malade et son sexe. Hein. Ça varie selon le sexe, cette échelle. Donc, c'est un homme qui a une fréquence cardiaque à 90. Le QT théorique attendu est d'environ 325 millisecondes, plus ou moins 10%. C'est l'intervalle de confiance autour. Donc, il est compris entre 295 et 360. Notre sujet a un intervalle QT mesuré à 340 millisecondes, donc il est bien inclus dans l'intervalle de QT théorique prévu par la réglette. Donc il est normal. Voilà, en conclusion, je dirais que chez ce premier électrocardiogramme, tout était normal. Hein, le rythme était sinusal, et que restait fin et normal, la rotation normale, intervalle QT normal ou intervalle QTC au choix. Donc on peut dire que le CG est normal. Chez ce sujet de 50 ans, on avait noté des petites anomalies. Hein. Tout d'abord, des indices un petit peu limites d'HVG et des repolarisations anormales avec des ondes T aplaties. Alors, l'association des deux nous évoque une hypertrophie ventriculaire gauche, hein, peut-être un début, une surcharge ventriculaire gauche. C'est à surveiller chez un homme de 50 ans, peut-être qu'il a une hypertension artérielle débutante, par exemple. Enfin, chez ce sujet plus complexe, nous avions noté des tas d'anomalies. Hein. Tout d'abord, l'absence d'onde P ici en D2, remplacée par une fibrillation auriculaire. Ensuite, nous avions noté que c'était un rythme rapide, une tachycardie à 110 par minute. Enfin, l'axe du cœur était négatif en D1. Or, on doit avoir D1, D2 positif, donc l'axe est droit. Hein. C'est un sujet qui a un axe droit. Il a l'indice de Cornell positif avec cette très grande onde S en V3, S s'arrête en V2, donc Cornell positif qui est en faveur de l'HVG. Et enfin, des troubles secondaires de la repolarisation, hein, il y a une grosse hypertrophie, les ondes T sont plates, elles ne font pas du tout les 10% minimum de l'onde R, donc il y a une hypertrophie ventriculaire gauche à signaler. En revanche, on notera que l'intervalle QT est normal. Voilà. Donc, comme toujours, vous trouverez d'autres sources d'informations, soit au format livre, soit au format web, soit au format audio sur YouTube. Je vous